Est plutôt positif étant donné la nouveauté de l'équipe parce qu'on n'a que 3 défaites pour le moment. On fait une contre-performance contre Lille qui nous coûte cher dans notre course au podium et surtout aux hautes marches du podium. Mais on espère que la deuxième moitié de saison sera plus victorieuse et on travaille dur pour que ça se passe bien. Donc, j'ai commencé l'équitation à l'âge de 4 ans. Mais c'est que des années après que j'ai découvert le horseball lors d'une initiation dans mon club. Donc j'en suis maintenant à ma 7e saison. J'ai commencé donc en Benjamin au centre équestre des Grilles. Puis j'ai changé vers un club plus près de chez moi, à savoir le Touring Club de France. Et 3 ans après, je me suis dirigé vers Chambly pour un club plus orienté vers la compétition. Sandria, c'est une jument à QPS de 9 ans. Que j'ai acheté chez Gildas Mabilet et Christophe Gougnot cet été. Donc c'est une jument assez compliquée à monter sur le plat parce qu'elle a beaucoup de sang et donc il faut vachement de calme et de patience. Je la travaille avec l'aide des 2 Espagnols chamblisiens. En plus des 2 entraînements par semaine, elle est montée 2 fois et longée 2 fois. Je dirais qu'une de ses grandes qualités, c'est sa maniabilité puis sa réactivité à ce qu'on lui demande sur le terrain. Mais par contre, son défaut, principalement, c'est la défense parce que c'est pas une jument qui va beaucoup au contact et il y a encore du travail à faire là-dessus. Donc, passer du niveau amateur au niveau pro élite, c'est pas une question de facilité, mais plutôt une question de concentration, de travail et de transmission de l'expérience des joueurs présents depuis longtemps à ce niveau-là. Notamment avec Florian Moscovitch qui est un très bon leader de groupe. Après bien sûr, humainement ça a été facile parce que j'ai été bien accueilli dans l'équipe. Donc je viens sortir ma jument 3 fois par semaine et pendant les vacances je viens tous les jours. Pour concilier donc le temps que prend l'équitation et surtout le horseball de compétition au niveau pro élite avec l'école, ça a été une question d'organisation et de choix plus qu'autre chose. Donc ouais, vraiment ce que je dirais, c'est une question d'anticipation et d'organisation pour réussir à concilier les 2 qui sont compatibles. La différence entre la pro et la pro élite, c'est surtout selon moi l'intensité du jeu. Après les formations de pro, c'est aussi des équipes très performantes et du coup les matchs ont été assez compliqués. Donc sur les 2 journées à Mâcon, où j'ai joué 2 matchs par jour, j'ai effectivement changé de cheval. Ça n'a pas été si compliqué pour moi parce que l'année dernière, vu que j'avais pas de cheval à moi, j'ai beaucoup changé au cours de la saison à presque tous les matchs ou tous les week-ends. Et puis après, le fait de jouer avec une autre équipe, ça n'a pas non plus été compliqué parce que Chambly forme des joueurs autour d'une base et de valeurs communes. Et du coup, l'adaptation s'est très bien faite au sein du collectif de la pro. Donc ça n'a vraiment pas été difficile de jouer avec les joueurs étrangers parce qu'on les connaît depuis longtemps. D'ailleurs, Pao m'a coaché en amateur et en cadet. Puis surtout, à force de les côtoyer, on s'est habitué à leur accent et on finit par parler comme eux en fait.
Donc, trois mots pour définir notre équipe, compétitivité, unité et jeunesse. Donc, mis à part les cadres du horseball français qui, je pense, doivent tous être un exemple à suivre, mon joueur coup de cœur du moment, c'est Maël Guavo sur Milky Way, parce que je trouve que c'est un joueur qui a une excellente technique de balle, mais qui est aussi très collectif. Du coup, ça le rend assez efficace en attaque. Et avec son retour lors de l'étape à Saint-Lô, il a aussi montré qu'il avait un bon mental, parce que revenir après 6 mois d'arrêt, c'est pas facile. Puis, j'ai d'autres coups de cœur qui sont des joueurs plus jeunes. Donc, c'est mon équipe d'amateurs de l'année dernière. Donc, Maxime Gouin, Lucas Verquin, Marius Deuil et Victor Mahé, parce que c'est des joueurs très talentueux et qui ont du grand potentiel. Et j'espère qu'on va tous travailler dans le bon sens pour un jour se retrouver sur les terrains.